Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Une fois de plus, la pandémie nous oblige à nous couper de l'Eucharistie dominicale. Peut-être pouvons-nous faire de ce temps une chance pour redécouvrir la parole de Dieu. C'est ce que nous propose l'équipe pastorale avec l'aide des équipes liturgiques. Chaque dimanche, nous vous proposerons une vidéo ayant pour titre « La parole de Dieu est vivante ». Nous inviterons chacun d'entre vous à prendre le temps de la réflexion, de la méditation et de partager ce temps, si vous le voulez, en adressant vos textes, vos prières à l'ensemble paroissial de Négropolis, et nous en ferons un forum où chacun d'entre nous pourront venir puiser à la source de la méditation de chacun. J'espère que ce temps sera l'occasion pour nous de nous retrouver d'une manière différente, mais tout aussi vivante. Merci à vous. Prenez soin de vous, de l'autre et de Dieu. Une lampe allumée tout au bout de la route. Une lampe allumée pour apaiser mes doutes. Une lampe allumée, signe d'une présence. Une lampe allumée, le temps de l'espérance. C'est peut-être une étoile dans un trou de nuage qui me dit simplement: continue ton voyage. Tu te croyais perdu dans le vent, la tempête. Avancer n'est plus peur, je t'invite à la fête. Une lampe allumée tout au bout de la route. Une lampe allumée pour apaiser mes doutes. Une lampe allumée, signe d'une présence. Une lampe allumée, le temps de l'espérance. C'est peut-être une porte sans chaîne ni serrure, ouverte dans la nuit, la peur et la froidure. Entre et viens te chauffer. Partage notre table, il reste encore du pain, le vin est agréable. Une lampe allumée tout au bout de la route. Une lampe allumée pour apaiser mes doutes. Une lampe allumée, signe d'une présence. Une lampe allumée, le temps de l'espérance. C'est peut-être un visage d'une infinie tendresse qui me regarde enfin au fond de ma détresse. Tu es le bienvenu, mon ami et mon frère. Ne sois plus jamais seul, entre dans la lumière. Une lampe allumée tout au bout de la route. Une lampe allumée pour apaiser mes doutes. Une lampe allumée, signe d'une présence. Une lampe allumée, le temps de l'espérance. Le temps de l'espérance. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante.
elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Oh.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici, l'époux arrive !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages leur répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure quand le Fils de l'homme viendra. » Nous venons d'entendre la parabole des 10 vierges. À première vue, cette parabole est assez simple à comprendre. Jésus compare le royaume de Dieu à 10 vierges, 5 insensées, 5 folles, et au moment du dénouement, les 5 insensées ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'elles ont oublié leur huile. Si nous voulons aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce texte et dans cette méditation, il nous faut peut-être comprendre la signification de l'huile. Certes, tous les exégètes ne sont pas d'accord sur cette explication, mais elle me paraît intéressante. L'huile, c'est notre vie. Et ce n'est pas n'importe quelle huile. Cette huile, c'est de l'huile d'olive. Et cette huile d'olive, pour devenir olive jusqu'à huile, il faut qu'elle soit broyée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme de broyeur d'huile, moulin d'huile, ça se dit Gethsémani. Et Gethsémani, c'est le lieu dans lequel Jésus est venu prier, méditer, et où il a vécu son agonie. Par 3 fois, il va dire au Père, « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il semblerait que l'on puisse donc entendre cette parabole comme notre huile, c'est notre vie broyée, notre vie donnée, notre vie abandonnée au Seigneur. Alors bien sûr, une vie broyée, donnée, abandonnée au Seigneur, cela peut faire peur, cela peut même nous révulser. Comment Dieu peut-il nous demander cela? Mais en réalité, si nous allons plus loin, nous nous apercevons que la demande du Seigneur, c'est que nous soyons entièrement tournés vers l'abandon de la volonté de Dieu, parce que cette volonté de Dieu, c'est que nous soyons des hommes et des femmes debout, que nous soyons capables de prendre notre propre vie en main. Cette huile, si c'est notre vie, elle coule en abondance. Elle est forte, elle est bonne. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 5 vierges folles et 5 vierges qui sont, elles, sages? Peut-être tout simplement parce qu'en nous, il y a ces 5 vierges folles et ces 5 vierges sages. Nous sommes parfois capables de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Parfois, nous sommes capables d'entendre cette parole de Dieu qui nous conduit vers le meilleur de nous-mêmes. Et parfois, nous restons dans le doute, dans le refus. Nous ne sommes pas capables de faire l'effort de dépasser nos petits désirs pour accéder à nos grands désirs, celui d'être éternel.
Nous pouvons aussi comprendre cette parabole à travers l'idée que nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est à nous de remplir nos gourdes, notre récipient de cette huile. C'est à nous de remplir notre vie de ce qui fait la particularité du baptisé, prêtre, prophète et roi. Prêtre, celui qui est capable d'offrir sa propre vie. Prophète, celui capable de parler de l'amour de Dieu à son prochain. Roi, celui qui est capable de se mettre au service de son prochain. Vous voyez que, à travers cet évangile, nous pouvons comprendre toute notre vie.
Viens Seigneur, ne tarde plus. Illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus. Illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus. Revêts-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus. Revêts-moi tout entier de ta force. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, hey, hey. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus. Mène-moi aux sources du salut. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient, je ne peux trébucher.